C'est plus ce qui me turlupine, c'est je me demande un peu ce que veut Marseille, c'est-à-dire que Marseille est à la troisième place du championnat. On sait ce que Marseille ambitionne cette année en championnat, d'aller récupérer la Ligue des Champions encore une fois. Et je trouve que le message envoyé, si Marseille perd Guendouzi, serait vraiment un peu catastrophique. Parce qu'en effet, c'est ce que tu dis, je pense qu'il a séduit beaucoup de supporters marseillais par sa mentalité sur le terrain, ce qu'il apporte, etc. Et c'est quelqu'un qui représente un peu, pour moi, Marseille à l'heure actuelle, par son état d'esprit. Et je trouve que le perdre en cours d'année, eh ben, je pense que ce serait très compliqué de remplacer, alors peut-être pas sur le plan de jeu, mais en tout cas dans l'état d'esprit, je trouve que ce serait très très compliqué de perdre un joueur de ce gabarit-là, surtout qu'ils ont déjà perdu, et on va revenir tout à l'heure, un joueur majeur pour moi dans l'effectif, qui est Amine Harit. Tout à fait, alors sur blessure. Et d'ailleurs, si on prend le point de vue global, globalement, il y a quatre joueurs qui ont vraiment été très importants la semaine dernière. C'est Payet, Saliba, Guendouzi et Gerson. Alors Saliba, l'OM n'a rien pu faire, même s'il a essayé, donc c'est un petit peu un cas à part. Gerson, il est déjà parti. Payet, c'est un petit peu plus compliqué depuis le début de la saison. Et Guendouzi, on parle de son départ. Donc globalement, pour revenir à cette impression générale-là, on voit que c'est pas terrible. Et puis, il y a quand même une chose, c'est qu'on n'est pas sur un joueur qui a pris une hype monumentale à la Coupe du Monde. On en a déjà parlé lors des émissions précédentes. On est sur un joueur qui est plutôt constant depuis 1 an et demi, dont on connaît les qualités et qui, sauf accident, devrait pouvoir partir pour un montant similaire cet été. Et là, effectivement, ce serait quand même beaucoup plus simple pour l'OM pour se retourner. Et même en termes de cycle, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus sain. Que d'un départ cet hiver un petit peu à la hâte sur la première offre venue. Et il n'y a aucune urgence à le vendre. C'est encore un joueur qui est jeune. Il a 23 ans, Guendouzi. Il est, pour moi, sur la phase. Alors, même si, évidemment, le poste à laquelle il jouait cette année n'a pas favorisé ça, comment dire, ça, pour le mettre en avant. Mais je pense qu'il n'y a vraiment aucune urgence, je le répète, à vendre Guendouzi cet hiver, à la fois sur le plan sportif pour Marseille et parce que je pense que dans 6 mois, sauf offre exceptionnelle d'Aston Villa, il y aura encore des offres, à mon avis, notamment d'Aston Villa, si vous n'aimeriez encore là, parce que voilà, c'est un joueur qui plaît énormément au coach basque, à l'ancien coach du PSG. Donc je vois pas de raison de s'emballer à l'heure actuelle, surtout que les finances, on le répète, les finances marseillaises ne sont pas forcément dans le rouge. En tout cas, ce n'est pas les Plus échos autant qu'on a, qu'avant. plus autant qu'avant, c'est ça. Et du coup, il n'y a pas de nécessité absolue d'aller vendre, sauf si, bien sûr, Pablo Longoria veut encore recruter et qu'il a encore des noms, il a toujours des noms, je pense, Pablo Longoria de toute manière, mais qu'il a encore des noms qu'il veut attirer pour ajouter à son projet actuel. Ça créerait aussi quand même une vraie contradiction avec son discours, en tout cas son discours officiel. On vous a retrouvé une petite déclaration qui date du mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, de Exactement. Pablo Longoria, donc le président de l'Olympique de Marseille, qui disait: notre objectif est toujours de terminer à zéro dans nos comptes d'exploitation à fin d'année. Il faut faire du football avec l'argent qu'on a. Pour nous, la chose la plus importante, c'est le projet sportif. On est quand même en droit de penser que Matteo Guendouzi a un vrai rôle à jouer dans ce projet sportif-là. Clairement, et que sa vente ne rentrerait pas dans l'idée qu'on se fait de la décla de Longoria.